Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. Merci pour les éloges que vous ne cessez de me laisser sur mes messageries et réseaux sociaux, donc WhatsApp, email, et vous me laissez le message. J'en suis vraiment très fier et c'est là ce que nous avons besoin, parce que souvent lorsque nous parlons à nous, le peuple congolais, nous qui sommes dans les réseaux sociaux, nous avons besoin de ces feedbacks pour savoir si vraiment nous sommes suivis ou non. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont encouragé sur le projet 145 territoires. Ce n'est pas aujourd'hui, mes chers amis, que nous avions commencé à parler de la restitution du pouvoir au niveau de la base. Notre pays est dans une phase où il faut prendre des décisions. Il faut des gens courageux. Il faut des gens qui vont se sacrifier pour dire que non, nous n'allons pas continuer sur ces lancers. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Même si le sang coule à l'est, les déstabilisations, les faux coups d'État, les histoires qui se passent, moi je crois que comme je l'avais précisé, c'est ça justement, la douleur de l'enfantement. Nous sommes dans une phase où nous devons passer. Le bon va rester et le faux va tomber. Et ceux qui vont se retrouver dans le faux, ils n'ont qu'à voir que le temps est venu, comme Mobutu disait, devant l'ouragan de l'histoire. Un fruit mûr ou pas mûr finit par tomber. Éviter d'être dans le mauvais côté. Quel est le sens que nous devons donner à la reconstruction de notre pays, mes chers amis? Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons parler de ce système que nous décrions aujourd'hui, qui nous empêche à faire que le peuple puisse récupérer le pouvoir. Le système actuel est en train de nous distraire. Et qui entretient ce système? C'est nous les Congolais, c'est les États-Unis, les Européens, ceux qui profitent de nos richesses. Ce sont ceux-là qui profitent de ce système aujourd'hui. Ce n'est pas les Congolais. Une poignée de main de Congolais, 1 000, 5 000, devant 30 000, devant 100 millions de Congolais qui profitent de ces richesses à cause de leur connivence avec les puissances étrangères. Et nous remarquons que le Congolais n'a plus finalement la décision sur son propre pays. Et nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous dire que non, ce pays nous appartient et nous devons prendre de bonnes décisions. Nous allons parler de l'homme congolais et de ce qu'il fait pour qu'il puisse sortir de ce marasme, finalement remettre le pays sur le bon sens, ou bien le pays qui soit gouvernable. Nous allons parler de la responsabilité des Congolais pour le changement du système qui nous gère aujourd'hui, qui nous a bâclé pendant 60 ans, pendant 62 ans, où nous n'arrivons plus rien à faire à cause de ce système dans lequel nous sommes. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, comme d'habitude. Donc, et nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Affaire François Béat, la présidence doit se refuser de faire des commentaires. Et puis RDC, l'impunité pour les crimes graves ne peut plus être une norme. Ça, c'est Martin Fayoulou qui parle. On va sur actualité.cd. Kinshasa, en attendant l'enterrement des cérémonies d'hommage public, se tient à Matadi Kibala en mémoire de personnes décédé par électrocution. Et puis, le gouvernement signe un contrat de production de permis de conduire biométrique sécurisé avec PIS. Et puis, la Cour constitutionnelle annule la motion de censure contre Théo Kassi et son gouvernement. Congo profond.
Mini football, Arafat Ben Salah fait la promotion de discipline à Kinshasa. Les oracles de ministres en journée récréative et caritative le jeudi 17 février, orphelin albinos. On va sur 7 sur 7. 7 sur 7 ici, nous avons Jean-Claude Boukassa désigné pour assurer l'intérim de François Béa. Et puis... Affaire François Béa, toujours, aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée, prévient la présidence. On termine par Radio Okapi, Bounia, plus de 130 bandits arrêtés en 2021 selon la police. Ouvira, une attaque de Mai Mai repoussée par le FARDC et la MONUSCO. Sud Kivu, les conteneurs de la MONUSCO au port de Kalundu contiennent uniquement des matériaux de construction. Ça, c'est la société civile qui en parle. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Kinshasa est toujours suspendu par cette histoire de François Béa. Où j'ai dit à tous mes collaborateurs, à tous ceux qui veulent m'écouter, que je n'en parlais pas de bizarrerie. Nous ne sommes pas un média d'actualité. Ici, nous analysons les solutions qui peuvent nous sortir de ce marasme. Alors, le système, c'est quoi le système qui nous gère aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Batu wa mingi aba comprena que tu n'as semaka tout système, njo kumbaya ou bien paradigme. Ça hatujua ke kusema ni comment est-ce que nous sommes dirigés aujourd'hui? Le modèle qui nous dirige aujourd'hui a échoué, c'est l'unitarisme. Congo bo moko, Bekolo bo moko, Tata bo moko. Nous avons déifié l'homme. Nous avons voulu à ce que tout le monde puisse être congolais, qu'importe ses origines. Mais nous, ici, sur Contact Pro Live, nous avons dit non à cette histoire-là. Pourquoi? Parce que ça n'a pas... Ça donnait ses limites. Et comme ici, il y a des limites, il y a des limites dans le Congo, il y a des limites dans le place, ce qui est congolais, les chinois, qui sont les lobby, Congo, les moko, les aboué. Mes chers amis, en attendant que je puisse continuer, j'aimerais assez que illustré par ce que j'ai dit ici, par les terriféraires de cette magistrature d'aujourd'hui, qui pense que nous maintenir dans ce système ici, au lieu de donner le pouvoir à la base, ils pensent que tout Congolais venant de l'Est à l'Ouest, il peut aller construire. Ça n'a pas tenu. Et c'est M. Christian Bossembe qui l'a parlé, ça m'a ahuri. Et j'ai décidé de vous mettre un tout petit peu, en tout cas une minute, de ce qu'il nous a dit. Suivons et puis nous revenons. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer dans la logique? Voilà, on comprend tout de suite que même le peuple katangé lui-même n'est pas prêt à écouter ces discours inutiles. Peuple katangé, yéba que avant osa la peuple katangé, osana le peuple congolais. Moutoua ko sayote, mais mouna ba discours épaulaté. Moulouba oza na katanga, c'est ton frère. Moulouba oza na katanga, c'est ta sœur. Moulouba oza na katanga, c'est ta femme. Moulouba oza na katanga, c'est ta fille. C'est ton frère, c'est ton neveu. Ça veut dire que nous sommes d'abord congolais avant d'être tribune à Bélé, tout ça. On est d'abord des congolais. Et ce qui devrait nous unir, Engels, d'abord le Congo. L'équatorien qui se trouve à l'est du pays n'est pas un étranger là-bas. Quand j'entends des responsables dire ils sont venus sur notre sol, vous n'avez pas de sol. Quand on est congolais, on n'a pas de sol particulier. Quand on est congolais, notre sol, c'est le Congo. Ça veut dire un Moulouba peut construire un Bujima, peut construire autant un Bujima que dans le Bandundu. Le chef coutumier, Ezali ba chef coutumier, Ezali ba chef coutumier, y a Bokoko, y a ba tributé. Ezali chef coutumier, y a Bokoko, y a Mboka. Le chef coutumier de Bangala est le chef coutumier de tous les Congolais. On va se retrouver dans le territoire, dans la période Wana, avec chef na Bango, dans la circonscription Wana. Ça n'a rien à voir avec des tribus divisées. Mais les gens veulent nous diviser aujourd'hui pour qu'on nous amène où? Balingi même mais biso place nini. Et ce langage toujours comme mon mingi. Biso bato équateur, to vandiawa, bato pene abandon ba outiawa. J'entends ce débat là. Alors que tout le monde en bandaka, ça veut dire quoi ne pas être mon en bandaka? Ça veut dire quoi ne pas être mon en Bujimai? Ça veut dire quoi ne pas être mon ya Katanga? Alors,
Depuis quand est-ce que ça peut se faire qu'un Moulouba, un Moussongue, qui arrive à l'Équateur, dirigé par un chef coutumier de l'Équateur, ça ne s'explique pas, monsieur Bossembe. Ça ne s'explique pas. Je suis Nande. Vous autres, vous de l'Équateur, vous dites que votre mère, elle est de Idjoui. Mais est-ce que avez-vous eu le courage d'aller investir à Idjoui? Est-ce que vous connaissez qui dirige Idjoui aujourd'hui? Non, laissons ce discours-là, Bandeko. Si nous avons supporté le projet des 145 territoires, si nous avons commencé à en parler, c'est parce que nous pensons que le processus de consensus, il faut basala dans la même obédience. Ba loba munoko moko, ba yeba ke place na biso oyango oyezambo kanabiso. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont au Katanga revenir, c'est dire que non, Katanga to kata Katanga. C'est parce qu'il y a une certaine résistance, ya koloba ke mokeza ko kende malamu te, pendant que nous avons des richesses ici. Bandeko, tout ça, les sous-sous na niveau en 1965, où nous ne connaissions pas le Congo. Le Congolais est devenu suffisamment informé de son pays que to komi koloba ke non. Ba richesse na biso to sala kana yango nini. Le problème vient d'où? Le problème vient de nous-mêmes. Le système unitariste qui nous a mis ensemble depuis 1965 plutôt à partir de Mobutu, a échoué. Il est arrivé à son apogée. Toko kilisusu kotia ba congolais na sac mon côté, parce que même les Bwaluba qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous avons des guerres à l'est qui ne terminent pas. Les Équatoriens qui viendront, l'histoire de Katanga ne se dégénérera pas. Les gens n'ont plus confiance. Regardez comment nous avons difficile à trouver un consensus au niveau national. Tout ça à cause de quoi? Parce que la base a été disloquée. Il a été laissé par eux-mêmes. Les gens qui nous dirigent aujourd'hui, tout le monde qui fuit au pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils savent que non, le pouvoir est à Kinshasa. Le pouvoir, si j'ai le pouvoir, je peux être n'importe qui. J'avais parlé ici dans un groupe que non. Les gens qui courent à la présidence d'aujourd'hui, ils veulent s'enrichir parce qu'ils savent que le business se trouve dans la politique. Et tout le monde, et tout celui qui a un peu d'argent, va investir pour qu'il puisse être à la politique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent accéder justement à cette richesse. Et ça n'est qu'un investissement. Tous les manœuvres pour que Bazala élu. Gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est aujourd'hui. Et là, on a des photos. Et c'est ça que nous sommes dit. Mutuaza Azali, ce qui a comprendre que non, et là, on a des mutuaza Kobomambo cannabis. Il doit renvoyer tout le monde na katia ba circonstitution na bango ya koloba. Allez-y trouver des consensus pour que mboka na biso ezala moko. Bandeko, l'histoire que je suis en train de vous dire, ce n'est pas que ezali kambo que natoka bola mboka o, jamais. Il faudrait que les gens puissent se retrouver et puissent savoir ce qu'ils doivent faire. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons réécrire la loi fondamentale de ce pays. Loi fondamentale ya mboka na biso ezali très important que batuba réécrire ango, parce que otoza nango lelo ezako consacrer lisusu eloko wana ya koloba ke non, mutu soki aza na mbongo akoki kosala eloko nyonso alingi. Mutu soki aza na boye akoki kosala, il peut acheter n'importe qui. J'avais dit ici, excusez-moi avec les autres, ils m'ont exclu même dans des groupes que non. Je disais que il est grand temps à ce que nous puissions sacraliser likambo ya koloba ke non. Nga naza ko kende ko pesa bino ba hôpital na kotongela bino ba hôpital. Si nous allons vraiment à la fin fond des choses, ba to bazoya koloba ke nga mutu na kotongela bino boye, nga mutu na kotongela bino boye,
Eza ko simba te. Discours wane zo simba le sousou te. Et les gens toujours en train de se confondre dans cette histoire à Koloba. Oh non, Ngobila zo sale lo komo kote. Ngobila oh, toza na gouverneur te. Kinshasa eza dirige te. Vous entendez ces discours tous les jours à la longueur des journées. Oh non, mboka oyo, batunini ango bazana pouvoir, bazo sale lo komo kote. C'est ça justement le système qui a failli, que nous devons combattre et refaire. Et nous nous sommes dit, il est grand temps, c'est que Félix Tshisekedi prenne de grandes décisions en disant nous devons repartir sur de nouvelles bases. Les nouvelles bases, c'est quoi? C'est de remettre le pouvoir à qui de droit? À qui de droit? C'est les Congolais. Consensus, les gens prendront le consensus dans leur milieu naturel. Il y a d'autres personnes qui disent que non, non, nous devons nous regrouper selon les regroupements linguistiques. Tout revenir dans les 11 provinces. Moi, je dis que le territoire, aujourd'hui, configuration, est vraiment un malamou pour que Batouba zonga na ba territoire wana, nous en avons 145 territoires. Batouba kende ko réfléchir na ba katia ba territoire na bango, batou nini yango bazala kakuna. Comment est-ce que nous pouvons aller commencer à faire une identification de ceux qui sont dans les territoires? Ce projet-là doit être initié par le gouvernement central. Ça ne peut pas venir batou baza kolobake, oh non, révolution populaire et kozongi sabiso sima. C'est comme ça que je me suis dit, le président Félix aujourd'hui a dit qu'a se retrancé dans ma cambo bazako et bise que non, il est l'homme providentiel. Non, ce pays ne mérite plus d'être dirigé par les gens qui viendront ya kolobakeno bazana mbongo. On est en train même de pousser le président ya kokota ba ki moyibi mbongo en le faisant croire que non, mbongo soki ezali tokosala makambo nyonso te. Ce n'est pas l'argent qui construira ce pays, c'est l'argent que les gens posséderont lorsqu'ils sont organisés qui construira ce pays. Batuna batu tangu bazako yeba mbongo ko sale mandeni to contrôler mbongo na biso ndeni lizwi na biso za wapi to sala kanini nani angwasa nani angwasa azo sala auto pesi. Comment nous pouvons les contrôler aujourd'hui? Félix est incapable ya ko contrôler batu ya ko tala ya ko lobak. Il continue dans le même système ya ko kanisa que non présidence de la République et commanda ko kende ko superviser ba misala ya ba projet. Il faut qu'il se dérobe de ça, il faut qu'il mette le Congolais devant ses propres responsabilités. C'est ça que nous sommes en train de dire. Discours na biso za ko lobak Congolais azon azala en face à ba responsabilité na ye. Le Congolais doit apprendre que non, il est le maître de sa terre, mutuna mutoye ba place ni na uti, nos origines tokoboya tokobomana te parce que yoza muluba et pas na bino ezakuna. Tokobomana te pas parce que bino pas na bino bozala kanadiama. Tokobomana te parce que ze pas na bino est-ce que ngai na lobaki kinga na bota munande. Non, nous devons reconnaître que les gens doivent être responsables de leur terre d'abord parce que tozwa ki pouvoir to longoli ango na ba terre na biso ya koloba ke non que les gens n'ont plus de terre et lo kwa ne faut to supprimer ango. C'est ça qui a commencé l'origine à débâcle na biso zako lorsque le blanc a dérobé le peuple de leur terre en leur disant que la terre ne vous appartient pas. Et cette politique là, il faut que to abroge ango to ko abroge ango nende nini na kati ya ba conférence ya ba province. Ba conférence wana ba état de lié à ba territoire wana tangu toko vanda toko lobate mutu na butu oyo mboka oyo mabele na biso eza mabele na biso. Tout ce qui sera sous la terre et sur la terre, ça doit appartenir au peuple qui habitait là-bas. Ce peuple là, ce sont ces territoires là qui font de nous à ce que nous appartenons à la République démocratique du Congo. Ainsi donc, biso na kati ya territoire na biso to, il faut toyeba. Mutuna mutoye babilanga na e produisaka combien? C'est là nous que là nous devons aller. Place wana nde tu faut tokekende. Toute autre mesure ya kolobake non. Oh non, on les a ba mesure c'est patariste et ko séparé bisote tant que tokoyeba ke non. Yoza mukusu, yoza mungala uti mbandaka. Il y a beaucoup de nande qui sont à l'Équateur. Lisala, Gemena, tout ça va to bazako ko kimadle.
Toutes les petits commerces dans l'Équateur, ça se trouve chez les Nandes. Mais les Nandes n'ont jamais été expulsés de l'Équateur ou quoi que ce soit. Makambo eza koloba ke uti na Ituri, c'est parce que le gouvernement central est salé le comme côté. Alors, pour conclure cette émission, pour ne pas être loin, ce que nous devons faire attention aujourd'hui eza ko reconstruire l'État et l'autorité de l'État. Nous le ferons comment? Notre objectif est le kotoza kolobela lelo ezali ke poto zongisa autorité à l'État. Il faut que les gens qui habitent sur le territoire et conscience que o ezambo cannabis et cette conscience là est là boza komona na ba seigneur de guerre bangonyo so baza ko sala ta bitumba côté à est kuna na côté à sud Kivu. Ils appellent à un rassemblement ba tunyo so tu wana baza ko lo ba te bandeko to ko continuer ka ko bomana bo été munya Rwanda zonge pa na ye mais ils reconnaissent quand même qu'il y a un de peuple qui sont là depuis des années. Il faut batwana nyoso to vanda to ba non bana na biso o to za ko bota kongo na biso to zo tikela. Il faut to tikango na ndenge a bien que non batu baza lelo awa na Afrique du Sud nous sommes venus chercher l'asile ici. C'est ces gens-là qui se sont sacrifiés en disant que non, il faut que notre pays soit un pays d'accueil, un pays où règne la paix. Batunyo soba se retrouver. Et loko ya kolobaka que non, mututel nde mutuako salaboye, mututel nde mutuako salaboye. Et si là, c'est là que nous sommes en train de nous biaiser. La présidence de la République ne reconstruira pas ce pays. Ce pays sera reconstruit par le fils et le fils de... Quand ils se regrouperont, tant que bakoza l'ensemble, bakolo bakeno, awa na territoire na biso, ndako ya territoire ya ngwana, c'est là où il faut aller. Là, nous pouvons mettre quelqu'un à kosa la nini. Quels sont les projets? Dans tous les 145 territoires bandeko, il y a des intellectuels. Batu o bako ki ko réfléchir. Et batu oyo, na ba territoire o batu ya ba ko réfléchir ba zate. C'est dès lors que le gouvernement central pourra dire que non, côté kuna défaillance ezali, laissons aider ce peuple là. Mais la première des choses, c'est que il faut que tozongi sa pouvoir na kati ya maboko ya batu oyo bazala kananani na kati ya ba territoire wana. Alors aujourd'hui je vais essayer un peu de me limiter ici en vous faisant voir que sans que nous pouvons rétrocéder le pouvoir à la base et le comme sous-sualité, nous faisons un appel au président de la République. Ami beta coup d'état yemo ko akoloba ke non bande konga na supprimer Sénat, na supprimer Assemblée nationale, na bomi gouvernement lelo, j'appelle à ce que le peuple congolais puisse réécrire une nouvelle constitution. Et puis constitution na naza ko pesa pendant 6 mois to réécrire constitution wana. C'est ça le schéma que je suis en train de donner, mes chers amis. Il faut que Félix ait du courage à koloba ke non nabomi parlement ponani nabomi constitution o ponani parce que ezako pesa pouvoir na batu moko boye. Nous devons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base pour que le peuple congolais soit en face de ses responsabilités à koloba ke non awe pa na biso diamant ezalaka. Diamant na biso tokoteka yango wapi? Banani yango bazana kati ya secteur ya diamant na biso pour que territoire na biso awa toyeba eloko nini tokosala na bomengo na biso oyo ou bien richesse na biso otozana yango awa. Il faut que le peuple soit en mesure de dire que non, nous allons mettre ce type parce que nous avons un programme, voici ABCD, supervision programme au ekosalema na gouverneur na biso otokopona, mais programme na biso gouverneur o ne muto akotindika yango, mais ma organisme a contrôle na biso na niveau ya biso ya territoire awa yango oyo. Otokopesaka na gouvernement central toyebi qu'est-ce que nous attendons du gouvernement central. Batunini yango tokotindika na gouvernement central pour que bakende kosala suivi ya bambongo otoza kopesa kuna na gouvernement central. Quelle est la part que nous devons jouer dans le développement de notre territoire. Bandeko, sans eloko wana tokotika la ka ko tourner en rond. Tellement que batubaza frustré, ba makamu nyonso eza ko kendete. Pourquoi? Parce que les gens ne se font pas confiance. Lelo yo congolais a la kalisusu na muninga congolais te. Le congolais se méfie parce que nous considérons batubele to se considéraka miyibi. Ceux qui nous dirigent sont des voleurs.
Ça, c'est l'impression que tous les Congolais ont. Bon, comme on a même une mission diplomatique, l'ambassadeur va comme à Kobanga, à la face à Congolais. Parce qu'ils savent que, réorganisons le pays pour que nous puissions donner l'autorité à l'État. Oh, l'État et l'État qu'on a la sécurité, la sécurité, qu'on a l'assuré, tous ces gens-là qui se voient, Congolais, dans l'armée, ils ont un salaire à Malamouté. Pourquoi? Parce que tout était négligé à Kinshasa. Kinshasa ne contrôle plus. Aujourd'hui, tu sais que tu vas gérer comment? Okobandaka kobanga 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 ti ba coup d'état ya lokuta ba biloko moko ya lokuta lokuta ba seni ya lokuta tout ça cessons de tous ces histoires là toti kanano ba makambwana reconstruisons notre pays en rétrocédant le pouvoir à la base. C'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui en vous demandant encore une fois de plus, mes chers amis, de vous abonner nombreux. Merci pour tous ceux qui sont en train de prendre ce temps de cliquer sur la cloche, tchèba email na bango, et puis s'abonner, parce que déjà, nan denge toza kokola, toza kende, ezo pe sabi sope moua courage, na ba matière ebele yako pe sa kabino. Projet wana na ebisa kibino na avril, eza kaka. Toza ko lamba ngo malamu, poto pe sabino eloko a bien. Donc, tenez votre mal en patience, tokoyela bino pe sou moko eloko moko a bien. Je n'ai même pas encore révélé ça sera quoi, mais ça sera quelque chose de très bon pour la République démocratique du Congo. Donc ne passez pas sans nous laisser un mot botindike la biso ta ba message, parce que ba message na bino wana nde orientaka sur quel sujet nous pouvons parler. Mikolo Onyoso, vous parlez tous des projets de 145 territoires et de la modification de la constitution. La fois prochaine, nous allons parler encore de l'article 10. Nalikambu obo sembeto botobeta ngo sete. O alzo lobakeno ba chef coutumier bazaba chef coutumier batunyoso. Lelo nga naza munande na kotika la jamais kozala muluba. Na kokufa nazaka munande. Mais vous dites que nous n'avons pas de terre. C'est une chose que nous pouvons changer. C'est pour cela que nous disons que cette constitution doit être modifiée. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée et puis toutes les bonnes choses dans vos familles. En tout cas, continuez vraiment à nous suivre. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.